Haroun Kavadi, bonjour. Bonjour. Une question cruciale du dialogue, c'est la question de l'éligibilité des acteurs de la transition dans les élections qui doivent être organisées à la fin. Est-ce que pour vous, ces acteurs ne doivent pas pouvoir se présenter ou est-ce que tout le monde doit pouvoir se présenter? Pour moi, c'est le dialogue national inclusif qui décidera de ces questions, parce que ce sont des questions qui seront discutées et c'est ce que retiendra le dialogue que nous allons mettre ça en exécution. Donc, pour nous autres, il n'est pas question de dire à l'avance ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Je pense que nous partons au dialogue avec un esprit totalement ouvert et nous allons discuter de toutes les questions. Pour, en tout cas, la robustesse même des décisions qui seront prises, il faut les discuter. Il faut que chacun apporte sa contribution dans les échanges que nous aurons. Et donc, si déjà le MPS dit que ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, je crois que ça ne marchera pas. Il faut laisser les Tchadiens libres de décider de ce qu'ils veulent. La question que se posent tous les Tchadiens, forcément, le MPS a été le parti d'Idriss Déby Itno. Est-ce qu'il doit devenir le parti de Mahamat Idriss Déby Itno? Non, le MPS, c'est le parti des militants. Et le moment venu, on décidera qui sera notre chef en termes de candidature aux élections, de candidature à ceci, cela. Pour l'instant, le président Mahamat Idriss n'est pas notre candidat. Donc les gens veulent forcer pour dire tout simplement le MPS est en train de le préparer. Non, nous ne préparons pas en tout cas le général. Il a une mission, il faut qu'il accomplisse sa mission. Et c'est cette mission-là qui est la plus importante. La stabilité, la sécurité et la paix du pays. Mais est-ce qu'avec son bilan que vous jugez positivement depuis un an, il ne serait pas un bon candidat? Évidemment, il a quand même pu stabiliser ce pays. Maintenant, si un homme est capable de faire tout ça, c'est quelqu'un qui a le potentiel. Il a dirigé pendant un an, il peut diriger encore. Mais ça, c'est aux Tchadiens de décider le moment venu. Au jour d'aujourd'hui, le général, il est général. Il préside le Conseil militaire de transition, c'est ça son travail. Demain, on verra. Le chef de la transition, ça aurait pu être vous, ça aurait dû être vous, selon la Constitution. Pourtant, vous avez décliné. Pourquoi? J'ai décliné parce que, avec l'analyse de tout ce que j'ai fait au moment T, je pensais que ma présence en tant que président de la République par intérim ne pourrait pas permettre vraiment de trouver la stabilité, la sécurité et la paix que nous avons aujourd'hui. Parce que nous étions en guerre. Et cette guerre, il n'y a que les militaires qui peuvent mener cette guerre. Et les troupes étaient sur le terrain. Il fallait quand même que le moral des troupes soit au beau fixe pour qu'ils puissent combattre les forces rebelles. Après l'analyse de tous les éléments que j'avais, je pensais que c'était mieux de mettre en place le Conseil militaire de transition. Et c'est ce que j'ai décidé. Les gens peuvent être d'accord, ne pas être d'accord, mais c'est ça ma décision. Pour vous, le moral des troupes a primé sur le respect des règles de droit. Mais effectivement, vous avez vu comment ils sont partis, ils ont chassé les rebelles. Ils sont revenus victorieux. Et tout le monde était content. Ai-je raison? Ai-je tort? Je ne sais pas. Mais je pense que pour l'instant, je pense que j'ai raison. On a à l'époque beaucoup entendu qu'on ne vous avait pas laissé le choix, finalement. Mais moi, j'avais le choix. Je pouvais prendre le pouvoir pour 5 mois, 6 mois. Si le Tchad devenait une autre Somalie, qu'est-ce que vous allez dire? Tout le tort serait sur Kabadi. Voilà, il aime tellement le pouvoir qu'il a pris maintenant le Tchad et en déliquescence totale. Maintenant, il ne peut même pas commander. Maintenant, donc, je pense que j'ai raison. On ne vous a pas séquestré, on ne vous a pas mis de pistolet sur la tempe. C'est Pas ça que vous du voulez tout. dire? Mais vous pouvez, moi, tout le monde était là. Hein. Personne ne m'a séquestré, personne ne m'a demandé quoi que ce soit. J'ai décidé de moi-même, après une analyse approfondie de tous les éléments que j'avais en son temps.